Attention, attention, fais gaffe, beau gosse. L'amour, c'est merveilleux. Vraiment, je vous assure, j'ai pas fait exprès. Temps mort. Pause syndicale. Ah, quand même. Non, je ne parlais pas pour vous, les appâts. Finalement, sans les requins, c'est pas mal non plus. Attends une seconde, je rêve ou... Joe m'a laissé tomber. Je vais le rattraper et lui casser la figure à ce sale menteur. Ah, ah, arrête de t'acharner sur mon derrière. Oh, je vais t'amener jusqu'à Scott. L'équipe Flashman, c'est la meilleure! Alors, le grand gagnant de ce rallye du chef est... Bah, où est-ce qu'ils sont passés? Ils sont tous partis au dernier repère! Celui que t'as rajouté au dernier moment! Ah! Laissez-moi sortir! Attendez-moi! Oh! Qu'est-ce que... Une dent de requin? Merci de m'avoir laissé tout seul en bas. Trouver le souvenir, cacher le souvenir et perdre le défi. Chouette, ça sent un peu la frite dans cette tombe. C'est génial. Côte le magnifique, hein? Flashman est en route pour la consécration. Zoé a voté contre moi pour m'éliminer. Maintenant, à mon tour de lui faire sa fête. Rien ni personne ne pourra arrêter Scott le Magnifique. Chèvre, feu à volonté. J'ai plus qu'à toucher le mât et la victoire sera mienne. Une affaire rondement menée. Hmm? Oh non! Pas lui! Pas maintenant! Je me suis foulé la cheville! Laisse-moi tranquille, espèce de sale bête! Et pourquoi tu m'en veux comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quoi? C'est à cause de ta dent? Mais t'en as des dizaines d'autres! Bon, je crois que c'est la fin cette fois! La fin du requin et la victoire pour moi, ouais! L'un de mes pièges a fini par fonctionner. Une seconde. J'ai pas fait de trou camouflé. Vous allez encore devoir attendre! Louis! Eh oui! C'est moi le patron, c'est moi qui expulse! Tu vois, Scott, quand on est expulsé, c'est à la fois déshonorant et douloureux également. Alors, c'est pourquoi je me suis arrangé pour que tu aies un ami à tes côtés. C'est aussi ma façon de te remercier de m'avoir fait tomber dans une fosse sceptique pleine de crottes. Dis bonjour à ton adversaire, Rex. Oui. Scott. Scott. Allez, mon vieux, on n'a pas que ça à faire. Tu te bouges ou tu perds. Non, oh, si tu veux mon avis, c'est déjà fait. Réveille-toi, tu ne vas pas laisser cette sardine te taper dessus sans réagir, Scott. Vous savez que vous êtes très jolie, mademoiselle. Maintenant, dodo. Où es-tu, petit caillou, bling bling? Et Scott atteint le premier sa zone de recherche. La tension est à son comble. Espérons que ma voix amplifiée n'attire pas l'attention de Rex. Tu pourrais baisser d'un ton, s'il te plaît. Tu n'as jamais vu de haut-parleur dans ta vie, Scott. Sors de ta cambrousse. T'énerve pas, Rex. Montre-moi juste où est caché le diamant et je repartirai direct.
Ça roule? Hein? Juste une question! C'est une blague! Sera-t-elle aussi la première à regagner le ponton? Pas si j'arrive à mettre en pratique le plan que j'ai en tête. Pour pouvoir prendre le diamant à Rex, je dois réussir à le dominer avant qu'il ne me domine. Mon père m'avait appris à dompter les cochons quand j'étais gamin. Les requins, ils ne sont pas si différents. Ils ont la même peau délicate, le même regard de fouine. Ce sont comme des cochons de mer quand on y réfléchit. Je te tiens! Et maintenant, file-moi ce diamant! Pourquoi? Les requins et les cochons n'ont aucun point commun. C'est l'heure de manger. Oh, c'est pas le moment de roupiller. Qu'est-ce que t'as fichu? Franchement, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. La corde a dû se coincer quelque part. Oh mince alors. J'en ai pas encore fini avec toi. C'est déjà l'heure de prendre mon bain, hein, mamie? Voici Scott et Michael, les mains complètement vides. Et votre butin, il est passé où? Désolé, papa. Je voulais te rapporter le caillou qui brille, mais le cochon de mer l'a mangé.